Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Il est 10 heures et c'est l'heure de la matinale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 janvier et les marchés continuent d'être très tumultueux. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, l'actualité afin de comprendre donc ces dernières accélérations sur les indices asiatiques et sur le pétrole. Bienvenue donc pour cette émission. Avant toute chose et comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques au sujet du caractère purement informatif de cette présentation des CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, comme d'habitude, dans notre émission, nous allons voir ensemble les dernières news, les résultats d'entreprise, les éventuels décalages sur certains actifs, les dernières annonces. On va regarder le calendrier économique, puis passer des re en revue des actifs sur la plateforme. Enfin, je répondrai comme d'habitude à vos questions. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de... comment dire d'actualités négative qui font que les indices, les matières premières reculent. Le Nikkei a perdu plus de 2%, l'indice chinois a perdu plus de 6%, le pétrole a perdu plus de 7%. Euh, nous avons donc des marchés qui sont extrêmement volatiles, qui sont toujours inscrits dans des tendances baissières. La semaine dernière, euh, Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, nous a donné des, des espoirs de rebond, de, de hausse sur les indices boursiers, sur le pétrole, en expliquant qu'il allait de nouveau faire appel. Au quantitative easing, donc euh, à l'injection de liquidités pour pouvoir, euh, pour pouvoir soutenir les marchés, mais surtout, d'après lui, pour pouvoir atteindre l'objectif de, de 2% d'inflation de, de la BCE. Bon, malheureusement, la BCE injecte déjà tous les mois plus de 60 milliards et pourtant l'inflation continue de baisser, mais la BCE a décidé de s'entêter et de voir si encore plus de quantitative easing, ça pourrait faire euh, des changements au niveau de l'inflation. A euh, noter que la corrélation entre le pétrole et les indices augmente fortement ces dernières séances, c'est-à-dire qu'à chaque mouvement haussier de rebond technique du pétrole, les indices ont tendance à suivre et dès que le pétrole repart à la baisse, les indices ont tendance à être un peu plus lourds. Euh, donc prenez bien cela en considération. Euh, si vous regardez la corrélation entre le SP500, l'indice directeur mondial, et le pétrole sur les dernières séances, elle est de 90%. Euh, fait intéressant, le pétrole a retracé 61,8% de la hausse de la semaine dernière et le CAC et le DAX aussi sont en train de revenir sur des supports et des gaps qu'ils avaient laissés ouverts. Euh, C'est pour ça que j'ai appelé ce webinaire euh, reprise de la baisse ou simple repli euh, car il y a une... Il y a un scénario qui voudrait qu'on est en train de violemment se replier sur des supports avant d'éventuellement repartir à la hausse. Vous voyez, euh, on a eu des mouvements aussi en fin de semaine dernière. On a l'impression que les mouvements haussiers sont en train d'être effacés et que la baisse est en train de reprendre. Peut-être que c'est tout simplement un, un retracement violent, chose qu'il arrive souvent euh, quand on fait des, des zones basses. Euh, un retracement violent avant éventuellement le scénario de rebond puisse perdurer. Donc je vous montrerai ça dans quelques instants sur les graphiques. Donc on le disait, euh, l'indice chinois a plongé de 6% est à un plus bas de 13 mois. Et enfin, le secteur bancaire inquiète à Davos euh, en raison des risques dans le shale oil. Donc le shale oil, c'est euh, le pétrole et le gaz de schiste, je vous en ai déjà parlé. Euh, ce sont des investissements qui représentent euh, 400 milliards de dollars de dettes aux États-Unis. Pour vous donner un petit peu une, une comparaison. Euh, les subprimes, donc les dettes contractées euh, au sujet de l'immobilier en 2008, c'était entre 1500 et 2000 milliards. Là, on est à 400 milliards sur le Shale Oil, donc ce n'est pas, pas les mêmes dimensions. Néanmoins, euh, les, les grandes ce monde à Davos donc, se sont inquiétées. Euh, de ce que ça pourrait avoir comme impact sur le secteur bancaire. Ces 400 milliards ne sont peut-être pas un risque systémique, euh, mais il euh, y a un risque quand même de contagion, de domino, euh, à certaines banques, à certains fonds d'investissement, et ça, euh, on, y, bah on y regarde de plus près, car l'année dernière, en fait, quand le pétrole avait perdu 60-70%, tout le monde pensait qu'il allait repartir de plus belle à la hausse et qu'on serait à 80 ou 100 dollars en 2016. Pour l'instant, on est plus proche de 20 que de 100. Voilà. Côté entreprise, Renault et Nissan euh, souhaitent changer un petit peu l'actualité. Souvenez-vous, ces derniers temps, c'était le combat euh, entre le gouvernement et Nissan au sujet de sa participation. Ensuite, ça a été les soucis de Renault concernant l'émission de gaz à effet de serre. Et là, Renault et Nissan montent au créneau et publient donc un peu d'actualité. Le, le groupe, les deux entreprises, comptent économiser 4,3 milliards d'euros cette année. C'est quand même une, une somme très importante par rapport au chiffre d'affaires au résultat de la société. Euh, donc, c'est un bon point ici, une bonne communication de la société. Euh, Vinci, Bouygues et ADP, donc nos... Il y a nos constructeurs et puis il y a un spécialiste donc, euh, des aéroports, pourrait devenir client de l'Iran, d'après le Wall Street Journal. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait des levées, euh, il, y a, il y a eu des levées euh, d'embargo sur l'Iran que l'Iran va pouvoir revenir sur euh, le marché pétrolier euh, et vendre son pétrole donc, euh, sur, la, sur la scène internationale. Euh, et bien, de la même façon, nombreuses entreprises européennes et donc françaises peuvent de nouveau potentiellement travailler avec l'Iran. Euh, donc voilà. <coughs> Interparfum a publié et a fait mieux que prévu au quatrième trimestre. C'est pour ça que le cours de, de Interparfum est parmi les plus fortes hausses du jour. Et puis toujours dans le haut du tableau, on retrouve également Air France qui a été relevé par Citigroup aujourd'hui. Air France qui profite de deux facteurs, je dirais même trois facteurs positifs ces derniers temps. Le premier, bien évidemment, c'est la baisse du pétrole. Le deuxième, c'est euh, la hausse de l'ensemble des mh, sociétés d'aviation européennes. Que ce soit EasyJet, Air France ou d'autres. Et enfin, Air France a été relevé quand même à de nombreuses reprises depuis le début de l'année par de nombreux cabinets de recherche et c'est ça qui lui a valu autant de soutien. Concernant les statistiques passées, euh, l'IFO, donc euh, l'indice du. Climat en Allemagne hier est ressorti inférieur aux attentes. Euh, Mario Draghi, qui de faisait un discours hier soir, n'a pas convaincu plus que ça euh, concernant l'inflation. Euh, Mario Draghi a expliqué que s'il n'arrivait pas à faire remonter l'inflation avec plus de quantitative easing, en gros, euh, ça voudrait dire que le, le plan de la BCE depuis deux ans n'était pas forcément le bon et qu'il n'arrivait pas forcément à ses fins. Euh, voilà. Donc euh, autant avant Mario Draghi pouvait être euh, l'homme euh, d'une voie de fer, c'est-à-dire qu'il avait juste à ouvrir la bouche et à user d'une dialectique habile pour faire remonter les marchés, autant mar maintenant les marchés n'y croient plus trop, ils ne croient non plus, plus trop à la solution du quantitative easing, euh, donc euh, il est un peu moins convaincant. Ce jour, on aura le discours de Carnet. Euh, Carnet, c'est le directeur de la BOE, donc la Banque d'Angleterre, à 11h45. Puis à 16h cet après-midi, vous aurez la confiance des consommateurs US. Euh, Aujourd'hui, il se pourrait que ce soit une séance charnière. Euh, on a eu donc une violente baisse hier. Euh, suite à la forte hausse qu'on avait eu je euh, jeudi et vendredi dernier. Donc, on a des contre coûts relativement violents. Aujourd'hui, euh, on a gapé à la baisse sur les indices européens à moins 2 pratiquement sur des supports que je vous ai indiqués. J'en ai parlé sur Twitter, c'est un de mes premiers messages ce matin. Euh, et donc, je vous expliquais que on était entre un scénario de repli, certes violent, vous allez me dire, bah oui, mais on fait moins 2%, Nicolas, c'est plus une reprise de la baisse qu'un repli. Bah, J'ai envie de vous dire, la, la baisse est à la hauteur de la hausse précédente qui est elle-même à la hauteur de la baisse précédente. C'est-à-dire que jeudi et vendredi dernier, le CAC a quand même repris 7% entre son plus bas et son plus haut. C'est extrême, c'est très rapide et très violent. Euh, donc en fait aujourd'hui on perd moins 2%, à 9h15 on perdait 2%, bah, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un retracement de 30% de la hausse de 7% qu'on a eue entre jeudi et vendredi dernier. Voilà. Concernant la volatilité, de toute façon, il va falloir que vous gardiez ce fait en tête. La volatilité est exacerbée car nous sommes pour l'instant dans un marché non pas haussier mais relativement neutre et euh, on est un petit peu averse au risque ces derniers temps. Et quand qui dit aversion au risque dit hausse de la volatilité, je vous en ai déjà parlé à travers euh, le VIX. Voilà. Maintenant, on va passer au graphique. Donc, euh, nous allons commencer par le 440, que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Voilà. Vous avez sur le 4,40 un canal baissier. Euh, loin de moi l'idée de vouloir contredire le fait que nous sommes dans une tendance baissière de moyen terme et de court terme. Vous pouvez constater donc que depuis deux mois l'indice français s'inscrit euh, dans cette tendance baissière. La semaine dernière en fait on a réagi à proximité de la borne basse alors que Draghi nous a promis plus de quantitative easing. Jeudi on est remonté, vendredi on a confirmé et en euh, lundi donc hier. On n'a pas eu de catalyseur suffisant pour pouvoir continuer de monter et on avait besoin, le marché avait besoin de retracer en partie la hausse précédente. Aujourd'hui, mardi, euh, c'est une séance tampon. Pourquoi c'est une séance tampon Eh bien, parce que c'est la poursuite de la consolidation qu'on a eue lundi et il se pourrait même comme je vous l'explique en ce moment même, qu'on soit arrivé sur support et que cette consolidation soit terminée. Et c'est une séance charnière parce que demain, nous aurons euh, le FOMC. Nous allons donc avoir les éléments euh, d'analyse euh, de la Fed. Nous allons avoir... Euh, comment dire la vision de la Fed au sujet de son économie et de ses taux va être affinée et va nous permettre de savoir si la Fed reste sur sa ligne directrice d'une hausse de taux continue en 2016 avec à la clé 3 à 4 hausses de taux qui pourraient nous mener à des taux supérieurs à 1% ou si au contraire la Fed se veut prudente à court terme à cause des aléas de marché, etc. Ça, ce sera mercredi soir. Et je pense que c'est ça qui donnera du beau moqueur ou non aux investisseurs. Puis, jeudi, vendredi, euh, ce sera euh, autour de la BOJ. Alors, on va avoir un peu toutes les banques centrales qui vont, euh, qui vont euh, se, bah, qui vont, qui vont nous donner leur, leur stratégie, leur analyse de marché. Et je pense que c'est ça qui pourrait mener les marchés soit à la hausse, soit à la baisse. Alors. Hormis le fait qu'on est baissier, qu'on est dans des tendances baissières, que le pétrole fait peur, qu'il y a du risque, et c'est des choses dont je vous ai parlé ces dernières séances, ces semaines, je suis un petit peu plus euh, positif ce matin parce que je vois ce scénario de possible stabilisation sur les supports du CAC, du DAX, du SP500, du pétrole, etc. Et je me dis qu'avec un gap à moins deux sur support ce matin, ça a fait peur à tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui a payé. Et depuis, ça paye. On a cassé le cours d'ouverture et on pourrait donc remonter progressivement. Et si demain et d'ici la fin de la semaine, les banquiers centraux se voulaient rassurants et qu'une nouvelle fois les investisseurs n'aient plus que une chose à laquelle se raccrocher, c'est-à-dire le discours des banquiers centraux, eh bien, les marchés pourraient monter puisque habituellement euh, ça les fait monter. Euh, <coughs> Donc voilà, moi j'ai un support sur le CAC à 4230 points. Tant qu'on est au-dessus, je pense qu'on pourrait remonter un petit peu vers le haut de canal, voire même aller chercher la zone des 4450-4500, qui est une zone tampon d'envergure à moyen terme. Seule la cassure des 4220 euh, relancerait la dynamique baissière actuellement en place en données journalières et euh, nous renverrait vers les plus bas. Mais comme je vous viens de vous l'expliquer, on est sur support. Les banquiers centraux ont parlé fin de semaine dernière. Ils vont continuer de parler d'ici la fin de la semaine. Et quand des banquiers centraux parlent, c'est généralement pour parler de soutien, d'aide et de euh, plan de quantitative easing qui sont, euh, je le pense, et comme vous avez pu le constater ces derniers temps, des facteurs plutôt haussiers. Donc le 4,40, il a été euh, sur support. Le Dow Jones, il est revenu travailler les plus bas en cours de clôture. C'est souvent ce que font les indices américains. Quand ils font un point bas, ils repartent violemment puis ils reviennent tester la, la, cette zone des plus bas. Donc nous allons voir si réaction il y a sur cette zone de prix. Le SP500, ça doit être... Euh, plus ou moins la même chose. Donc voilà, forte hausse sur deux trois séances, puis repli d'une partie de la hausse. On revient tester en fait les plus bas en cours de clôture sans venir chercher la mèche basse. On vient chercher et valider en fait la pertinence de ce point inscrit en cours de clôture. Euh, le dax euh, donc le DAX a gapé à la baisse, mais vous voyez qu'il a gapé où il a gapé pile poil sur le cours de clôture de jeudi dernier à partir duquel on a opéré un gap donc en fait l'ouverture négative à moins un et demi du dax était le moyen de violemment revenir combler un gap laissé ouvert la semaine dernière et peut-être de repartir de plus belle qui sait. Nous avons ici une tendance baissière, certes, comme le 440 et comme sur les autres indices. Néanmoins, nous avons des banquiers centraux jeudi qui nous ont euh, promis du soutien et euh, d'autres banquiers centraux devraient dans les jours à venir euh, continuer de s'exprimer. Euh, il y a donc la possibilité qu'on voit la création d'une zone basse se faire ici ou du moins que les velléités haussières continuent de se manifester si les banquiers centraux nous parlent de liquidité. Euh, sur le DAX de la même façon que je l'ai fait sur le CAC en délimitant les 4220 sur le DAX, tant qu'on est au-dessus des 9570 points, soit la clôture de jeudi dernier et la zone de gap comblée ce matin à l'ouverture, eh bien, on peut euh, maintenir un biais positif au-dessus de, au de ce point. Euh, si on le repasse à la baisse, là, c'est que forcément, les baissiers reprennent la main, etc. Mais je pense qu'à très court terme, étant donné le timing, étant donné la façon dont ça se fait, un peu violente et donc un peu déstabilisante, mais étant donné quand même la propreté graphique avec laquelle le marché opère ici, eh bien je tenais ce matin donc à ne pas faire une analyse uniquement factuelle de la situation et de vous dire que c'était baissier, mais à euh, vous évoquer ce scénario de, de poursuite de contre-pied haussier que nous avons eu en fin de semaine dernière, qui pourrait prendre forme à partir des supports que je viens de vous montrer. C'est un scénario haussier potentiel qui serait en plus validé par d'autres facteurs. Euh, je pense notamment euh, aux facteurs de risque comme la paire USD-Yen. Quand vous regardez l'USD Yen, vous pouvez constater donc l'USD Yen est remonté jeudi et vendredi dernier violemment, que hier il a consolidé, que ce matin il a fait une petite mèche et puis qu'il a rapidement retracé. On voit bien donc qu'il n'y a pas de forte volatilité, de peur et de reprise baissière. Euh, la baisse du jour ressemble plus à un pullback rapidement payé qu'à une reprise des tensions comme on a eu euh, la, la semaine dernière. Euh... On a regardé ensemble les indices, on va regarder euh, les actions. Alors Pascal me dit, faudrait-il un QE de la Fed pour changer la tendance euh, Il est clair que la Fed n'est pas capable de lancer un QE pour le moment. Pour le moment, elle est dans une phase de hausse de taux et un QE, c'est l'inverse. C'est limite une baisse de taux. Donc, euh, pour que les indices montent, il faudrait de la confiance il faudrait de la confiance, il faudrait des bons chiffres économiques où il faudrait des bons résultats d'entreprise, où il faudrait plus de quantitative easing effectivement Pascal. Mais ce n'est pas demain la veille que la Fed va faire marche arrière. Déjà si comme je l'évoque parfois la Fed ne monte pas beaucoup plus ses taux ce serait déjà un désaveu de sa politique puisqu'elle disait qu'elle allait rentrer dans un cycle de durcissement monétaire et les monter plusieurs fois. Euh, donc nous verrons bien comment ça se passe, pour moi elle pourrait mettre pause à son programme de hausse de taux, voire même à échéance, un an ou deux, peut-être faire marche arrière et lancer du quantitative easing, mais ce n'est pas, euh, pas aujourd'hui. Donc interparfum, comme je vous le disais au début de cette émission, euh, a publié des résultats supérieurs au T4, euh, d'ailleurs c'est amusant, vous voyez, j'ai déjà une résistance sur Interparfum. Je ne l'ai pas mis ce matin. C'est quelque chose que j'ai depuis plusieurs semaines, je pense, sur ce titre-là. Euh, donc vous voyez bien qu'Interparfum... Hop là. C'est un titre qui est à long terme plutôt dans une pente haussière qui fait des, des phases comme ça de consolidation. Là, ce qui est intéressant de voir avec ce titre-là, c'est qu'on est dans une... On est dans un canal baissier et avec les résultats du jour, on s'approche de la borne haute. Si la borne haute est cassée sur ce titre, alors une nouvelle vague haussière pourrait potentiellement naître. Air France à plus 2 donc profite d'un relèvement de recommandations. Vous voyez donc que le titre est tente de s'extraire par le haut d'un canal haussier et de repartir à la hausse. On avait une possible configuration en épaule tête-épaule l'année dernière, mais la ligne de coup de l'épaule tête-épaule n'a pas cassé, qui dit euh, que enfin, s'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de signal, tout simplement. Et donc depuis, le titre est reparti à la hausse, boosté par les cours du pétrole en baisse et par le fait que euh, l'ensemble des compagnies aériennes soient recherchées en Europe. Je regarde un petit peu le palmarès. Zodiac, elle rebondit, c'est un bon technique parce qu'elle est survendue. TF1, euh, elle, elle est sur un support pluriannuel, les autour des 9, 950 sur TF1, on est sur un support pluriannuel qui date de 2011, 2012, 2014, on l'a approché. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une très forte volatilité sur les actions aujourd'hui, si ce n'est quelques titres soutenus par de l'actu. Euh, Sequana, elle a échoué sous résistance, elle repart à la baisse. CGG, euh, c'est une société donc, euh, dans le pétrole, donc forcément parapétrolière, qui dit baisse du pétrole, dit baisse des cours. Euh, Est-on arrivé à un paroxysme de la baisse, un pessimisme exacerbé On le verra, je pense, dans les séances à venir, si tel devait être le cas. Notamment mercredi avec les stocks de pétrole, on pourrait valider ou non le fait que le pétrole ait fait un point bas de court terme à 26 dollars la semaine dernière. Si les stocks sont inférieurs aux attentes ou même supérieurs aux attentes, mais que dans tous les cas les prix du pétrole montent, alors on validerait un point bas créé la semaine dernière. Euh, donc on voit toujours des titres comme Casino Guichard sous pression Selectis sous pression aussi c'est une biotechnologie qui est sur la zone base de son range de très long terme Solocal c'est un titre spéculatif qui monte fortement quand ça, quand ça monte mais qui peut chuter fortement donc aujourd'hui il baisse mais n'est-on pas en train de créer une base comme le CAC et le, et le pétrole, c'est la question que je me pose. Après, on retrouve Valorec, on retrouve Total Gabon, donc toujours, toujours cette même thématique énergie qui pèse énormément sur les indices. D'ailleurs, on va passer aux matières premières. Alors, Christophe me dit, les indices sont actuellement très collés aux, va aux variations du pétrole. Avez-vous des éléments de projection sur le pétrole Merci. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ça tombe bien, euh, Christophe, que vous posiez la question. Euh... Donc, comme je vous le disais, on a eu un mouvement baissier puissant sur les pétroles Brent et WTI en ce début de semaine. Néanmoins, est-ce que ce ne sont pas des retracements à la hauteur des hausses que nous avons eues en fin de semaine dernière C'est la question que je vous pose. Le... Le... Les deux pétroles ont fait des rebonds techniques ultra-violents. Jeudi et vendredi dernier, et hier lundi, ils sont repartis à la baisse. Pourquoi est-ce qu'ils sont repartis à la baisse Ils sont repartis à la baisse parce que les tendances sont fortement baissières. Ils sont repartis à la baisse parce que les résultats d'entreprise ou les résultats économiques ne nous font pas entrevoir d'amélioration à court terme et donc de consommation supplémentaire de pétrole. Euh, on a aussi un Émirat du Golfe qui a dit que pour lui, euh, les prix du pétrole pouvaient rester très bas très très longtemps, que ce n'était pas un problème. Et, euh, et on a aussi des rumeurs selon lesquelles un membre de l'OPEP pourrait avoir fait la demande d'une réunion d'urgence afin peut-être que l'OPEP enfin euh, tape du poing sur la table, abaisse les quotas et fasse remonter les prix. Mais cela reste des rumeurs. Et donc hier, les opérateurs se focalisant sur les points négatifs ont fait redémarrer à la baisse les cours de l'or noir, et nous voilà où nous sommes aujourd'hui. Mon constat est le même que sur le 440. Euh, le pétrole WTI comme le Brent donc, sont en train de faire des replis violents, des pullbacks violents suite aux hausses précédentes. Autant sur le CAC et le DAX, on est venu prendre appui sur des gaps laissés ouverts euh, la semaine dernière. Autant sur le pétrole, on est en train de tester des retracements clés. Le pétrole donc, est en train de retracer 61,8% de la hausse qu'il a opérée la semaine dernière. S'il cassait ce seuil en clôture, il réaccélérerait potentiellement vers ses plus bas, mais s'il tenait cette zone de prix, il pourrait se stabiliser en range, voire même reprendre un peu de poil de la bête. En attendant demain la publication des stocks, euh, les stocks qui sont attendus... Alors, je n'ai pas la prévision. Le précédent était à 4 millions. C'était beaucoup plus important que les 6-7 dernières semaines. On a eu un froid euh, vraiment hivernal, vraiment violent qui s'est abattu sur les États-Unis. Vous avez peut-être vu les photos de l'aéroport JFK à New York euh, sous 4 mètres de neige. Euh, donc, ça, c'est des choses qui pourraient potentiellement avoir fait baisser les stocks de pétrole. Et euh, si tel devait être le cas, ça pourrait soutenir les cours. Voilà. Donc. Il aurait pu paraître simple de penser que le pétrole, comme les indices, était tout simplement en train de repartir à la baisse hier, puis aujourd'hui de confirmer et que tout allait se cracher. Je vous présente ce scénario alternatif qui voudrait que tant que le, CAC et le DAX tienne les supports montrés et que le pétrole tient la zone des 61,8% de retracement de sa hausse précédente, il y a un scénario selon lequel le pétrole pourrait tout simplement remonter. Dans les séances à venir vers 31,50. Et si tel devait être le cas, il créerait une base de soutien de moyen terme. Il pourrait même s'offrir le luxe de remonter en direction des résistances suivantes qui se trouvent à 34 et 38 dollars. On n'y est pas, certes, mais on est euh, sur un pivot, sur un point clé. Et je trouvais donc intéressant de vous, euh, de vous montrer ce euh, scénario alternatif. Euh, concernant les matières premières sinon euh, je vous ai peu parlé des matières premières agricoles ces derniers temps mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de signaux de sortie de zone de conjection qui sont donnés par exemple ici vous pouvez voir le graphique de l'Arabica l'Arabica est dans un canal baissier à faible pente depuis euh, maintenant un an et euh, bah, j'attends tout simplement la sortie de ce, euh, de ce canal baissier à faible pente pour vous en parler le gaz, je vous en ai parlé, j'en ai parlé hier sur TV Finance et j'en ai parlé hier sur BFM, donc je ne pouvais pas faire plus. Euh, je vous ai parlé du gaz et de la zone de soutien euh, entre les 2 et 205. Euh, pour les curieux concernant l'unité de temps de mesure du gaz, parce qu'on me l'a demandé hier, euh, c'est des dollars par MMBTU. Donc les MMBTU, MM ça veut dire million, BTU ça veut dire British Thermal Unit. Euh, ça équivaut en fait à 28,69 m3 de gaz à une température et une pression donnée. Donc euh, vous avez ici un cours du gaz qui affichait moins 10% depuis le début de l'année, alors que généralement la périodicité donc janvier, février, mars, est plutôt positive pour lui. Donc j'expliquais hier que ce soit dans la matinale ou sur BFM ou autre, que le gaz était donc sur support, qu'il était revenu combler un gap pile poil sur la zone des 2$, qu'il était venu combler ce gap tout en testant la borne haute de son ancien canal baissier, donc ce qui correspondait à un pullback parfait. Et voilà donc le gaz qui repart aujourd'hui, euh, qui est donc un bon moyen de jouer l'énergie à la hausse, de jouer l'hiver à la hausse et de jouer les stocks de gaz jeudi euh, qui sont de nouveau attendus en contraction. Donc ça c'était un scénario que je trouvais intéressant pour un petit peu se diversifier puis sortir du pétrole qui hier était encore très compliqué. Enfin concernant l'or, eh bien, l'or ce matin casse sa MM 100 jours pour la première fois. Alors. Il faut qu'on prenne un peu de recul sur cette situation de, du métal jaune. Voici l'or en données journalières sur les deux dernières années. Vous voyez que c'est une tendance baissière affirmée à l'intérieur d'un canal baissier qu'à chaque fois, les bornes hautes et basses ont été bien réactives et qu'au milieu de ce canal, nous avons un pivot qui sert relativement souvent depuis maintenant, on va dire, un an et demi, qui est la MM 100 jours, moyenne mobile à 100 séances. Et vous pouvez constater que pendant des périodes, elle fait résistance parfaitement. On accélère dessous, on revient à tester, on rebaisse, on revient à tester, on rebaisse. Quand on la casse, on va chercher la suivante, et même 200. Puis on repart à la baisse. Et là, en début d'année, bah, dès qu'il y a de la version au risque, l'or remonte vers résistance. Ce matin, on pourrait avoir l'impression que l'or est en train de donner un signal de casser même 100, de partir à la hausse et d'exploser. En fait, si le scénario de repli avant rebond dont je vous parle depuis tout à l'heure devait s'opérer, l'or reperdrait ce qu'elle a gagné ce matin. L'or repèderait ce qu'il a gagné ce matin. C'est-à-dire qu'on ne donnerait pas un signal puissant, on ferait une mèche haute et on... on... On oscillerait juste autour ou au-dessus de MM100, mais sans franchement la casser et donner un signal fort. Voilà. Comme je vous l'ai dit ce matin, oui, oui, le CAC a fait moins 2 et le pétrole est reparti un peu à la baisse, mais depuis l'ouverture, les cours sont payés. Voilà. Donc ce matin, parce qu'on a eu un peu d'aversion au risque, on a l'or qui a, qui a grimpé comme ça. Je pense, si vous voulez, que l'or. Est difficile à trader, que quand euh, l'or donne des signaux, il y a des replis, que c'est plutôt un actif qui, dont on dit qu'il est rentable pour le particulier seulement s'il le trade en swing ou à moyen terme, parce que à court terme, la plupart des gens se font broyer, puisque l'or est quand même très complexe. Euh, donc voilà, je pense que certains d'entre vous avaient vu ce triangle dont on avait parlé, soit à la cassure, soit au pullback. Acheter de l'or, c'était un moyen d'être contrarien, de jouer l'aspect refuge, de jouer la baisse des indices, de jouer la peur en ce début d'année 2016. Donc, ça marche bien. Mais si dans les séances à venir, les banquiers centraux mettent la main à la pâte, augmentent les QE et font monter les indices, l'or n'ira pas beaucoup plus haut. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire. Et nous verrons en fonction de euh, la clôture euh, ce qu'il en est ce soir. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des marchés, ça fait une demi-heure que je vous parle, j'ai répondu à certaines de vos questions, notamment concernant euh, les titres qu'on m'avait demandé, pour la Fed aussi c'est bon. Ah oui, alors Jean-Jacques m'avait posé une question sur le Dow Jones, on va regarder ça tout de suite et je vais finir cette émission avec cela. Au, au passage, Jean-Jacques, très content de vous retrouver, Catherine également, Philippe, très content de te voir ici. Euh, alors, petite question. Euh, le Dow Jones, donc le Dow Jones, il est ici. Donc, euh, <coughs> je vais prendre un graphique vierge. Donc, la question de, de Jean-Jacques, c'est de demander si le Dow Jones, donc l'indice américain des 30. Plus grosse valeur, n'est-il pas en train de faire une. Euh, donc le doigt elle cordial, une énorme tête d'épaule. Ouais, donc c'est. Ah, donc. Euh, le 17 2013. Je vais devoir me mettre en données hebdomadaires euh, voilà, pour que nos auditeurs voient bien Jean-Jacques. Euh, donc clairement, le Dow Jones était en tendance haussière. Il était en tendance haussière sur toutes les unités de temps pendant 4-5 ans, pendant des années de reprise technique, pendant des années où la, la Fed a injecté... À, dans son économie à outrance. Fin, 2013, la, euh, fin 2014, la Fed a arrêté d'injecter. Depuis un an et demi, on ne demande plus, on, on rebaisse même. Donc la question de, de Jean-Jacques, c'est de savoir si on fait une ETE. Une ETE, c'est une épaule tête épaule. Euh, donc il faudrait pouvoir considérer plus ou moins ceci comme une épaule. Plus ou moins ceci comme la tête et ceci comme la deuxième épaule. Si on devait parler d'une possible TE, en fait, ce serait la seule que je verrais, Jean-Jacques, parce que je la trouve pas particulièrement propre et facile. Euh, le problème, tu vois, c'est qu'on est qu était en tendance haussière, qu'on est en train de devenir neutre. C'est ce qu'on est actuellement. On est, dans des, on est dans un range, en fait, entre les plus hauts historiques et les plus bas qu'on inscrit depuis un an et demi, toujours sur cette même zone de prix, autour des 15 300 points. Dans l'esprit de l'épaule tête épaule, oui, on a fait une épaule, un nouveau plus haut, une épaule moins haute que la précédente, et si on casse la ligne de cou, il devrait y avoir du grabuge. Après, est-ce que cette épaule tête épaule restera dans les annales? Euh, bon, pas, pas à mon sens, euh, il y a quand même plus joli et plus propre que ça. Maintenant, on est complètement d'accord sur l'esprit de, de la figure et sur la conclusion qu'on peut en, en tirer, Jean-Jacques. C'est que si le Dow Jones devait accélérer sous les 15 300 points, tout comme le SP500 devait accélérer sous les 1800 points, tout comme le CAC devait accélérer sous 4000 points ou le DAX sous 9 300 points, oui, nous serions dans une situation. Critique qui ressemblerait de plus en plus à ce que nous avons vécu en 2001 et 2008, c'est-à-dire des corrections boursières d'ampleur. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance et un bon trading. Je vous retrouve demain matin à 10h tapante pour la matinale.